Ankojo. Ong chim ra pa ka mon to pa chim ra ka niti viti samnaka hai ong chim ra som rum lek chun dal luk mau tha ti moi luk sdap samuoy ban hai chlai khlei khlei top te nang samnu cham bach te krup kroan top nang samnu ro ban hai chi vieng luk athathibai cheng chngai pi samnu da su phiep cham bach te chlai top te nang samnu da su ba ti moi ti pi bathan ba luk mien ka os khamlang man aich ប្រតិកម្មបានទីគឺសូមផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យមកដោយយើងដើម្បីយើងពិនិត្យពិចារណាសម្រាប់លើបញ្ហានេះដោយការវិមសិលមិញអញ្ចឹងណាព្រោះមើលទៅលោកមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារវ័យចំណាស់របស់លោកហើយសូមមេធាវីប្រឹក្សាសាស្ត្រាចារ្យជួយពិនិត្យលើបញ្ហានេះផងដើម្បីអាចផ្ដល់នៅការគាត់សម្គាល់មកយើងដើម្បីយើងពិចារណាក្នុងលទ្ធភាពនៃការផ្អាកសម្ណការ ក្នុងករណីស្ថានភាពសុខភាពប្រកបមានលក្ខណៈឆ្មមនឹងបញ្ហាហើយសូមមេធាវីទម្រួលនៅសំណួរឲ្យបានងាយយល់ផងដើម្បីឲ្យខ្លីៗដើម្បីឲ្យអាចប្រសាសីងាយយល់ហើយនឹងស្ដាប់ងាយឆ្លើយបាទអរមេពកលពិធីការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបនេះសូមអញ្ជើញ Je vous remercie, Monsieur le Président. Je tâcherai de suivre les recommandations de la Chambre. Pendant la pause, Monsieur l'huissier d'audience m'a gentiment communiqué la photo produite par le témoin hier et je souhaiterais qu'on puisse maintenant lui mettre la photo sous les yeux afin que je puisse continuer mon interrogatoire avec l'assistance de Monsieur l'huissier d'audience. Puisque maintenant cette photo a une cote, je l'indique pour l'ensemble des parties, il s'agit de E1-209.2. Monsieur Noumao, est-ce que vous reconnaissez cette photo? បានស្គាល់នៅគាត់បានសាធិខ្ញុំនៅក្នុងសមរភូមិក្រោយមកទៀតគាត់នឹងសាធិខ្ញុំនៅរដ្ឋកម្ពុជានៅស្រុកឧដុង្គដូច្នេះវាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរូបថតនេះសាធិខ្ញុំពីដង Monsieur le témoin, excusez-moi. On va essayer de procéder par étapes. Je vous pose des questions précises. Je vous demande des réponse précise et je vais vous poser des questions supplémentaires. Comme ça, ça nous permettra d'aller plus vite et d'éviter les difficultés qu'a évoqué Monsieur le Président. Première question au sujet de la photo. Où avez-vous eu cette photo? Qui vous l'a donnée? ແລະដល់រូបថតហ្នឹងដែលខ្ញុំមកហ្នឹងគាត់នៅយករូបថតនេះខ្ញុំឃើញគាត់សួរថាស្គាល់ទេរូបថតនេះខ្ញុំថាខ្ញុំមើលយូរទៅខ្ញុំថាហេប្រហែលគាត់ណាមានខេននិនហ្នឹងបាត់អីជួបខ្ញុំបានពីរដងតែគាត់ណា មកមាត់គាត់សិលៀងដែលគាត់យកព័ត៌មាននៅសមរភូមិក្រោយមកទៀតគាត់បានមកសាធិខ្ញុំនៅរដ្ឋកម្ពុជានៅដង
Autre question au sujet de cette photo. Il y a en dessous de cette photo une inscription qui apparaît en noir sur cette photo. Est-ce que vous pouvez indiquer qui a porté cette inscription et ce qu'elle dit ? Est-ce que vous pouvez lire ? Peut-être que c'est la première question que j'aurais dû poser. C'est la partie écrite au stylo noir juste en dessous de la photo. C'est écrit en khmer, juste en dessous de la photo. Il y a une écriture. Les autres écritures ont été apposées par le greffe par la suite, mais cette écriture-là était présente sur la photo hier. Qu'est-ce qu'il y a marqué et qui a porté cette inscription sous cette photo ? Qui vous a donné cette photo? Quel est son nom? Sans vous souvenir du nom de la personne qui vous a montré cette photo, est-ce que vous pouvez dire quand cette personne est venue vous voir? Là,
ដែលនៅអគារលោកលោកវិបត្តិតទៅទៀតហើយអង្គមេសូមជម្រាបថាតាមព័ត៌មានដែលអង្គមេសទទួលបានគឺរូបថតនេះអង្គភាពគាំពារស័ក្តិសិទ្ធិនិងអ្នកជំនាញជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យគាត់ Je ne savais pas que l'unité de protection des témoins faisait ce genre de démarche en montrant des photos. Enfin, ce sera peut-être l'objet d'une autre requête plus tard pour savoir dans quelles conditions les choses se sont passées, mais je tiens pour les besoins de la transcription à m'étonner de ce procédé lorsqu'une personne vient témoigner devant la chambre. Le principe, c'est que soit elle a fait des déclarations personnelles qui ont été signées. Oui, merci Monsieur le Président. J'espère pouvoir clarifier un peu plus ce qui s'est passé. En fait, nous avons été informés il y a très peu de temps par un email qui nous a été transmis par un des assistants juridiques de la Chambre qu'au tout début des démarches faites pour localiser le témoin, compte tenu peu d'informations que nous avions à ce moment-là, l'unité d'appui et de soutien aux témoins et experts a présenté cette photographie afin d'être sûr que la personne contactée était bien celle qui était recherchée par la Chambre. Voilà. Il n'a pas été posé. Notre question, c'est simplement le but d'identifier le témoin. J'entends les explications de M. le juge Lavergne. Je souhaiterais... Yes, thank you, President. Just to inform Council that the photograph was used by Wesson during its inquiries to make sure that they had the right witness, potential witness. So that was the purpose for which the photograph was used. But I think we should move on now with the questioning of this witness, and if you wish to raise other issues later, so be it. Précisément, c'est ce que je vais faire, Madame le juge. Monsieur Moumao, vous avez indiqué que vous avez rencontré la personne sur la photographie que vous avez identifiée comme étant Ben Kiernan à deux reprises. Est-ce que je comprends bien que la première fois, c'était sur le champ de bataille et que la deuxième fois, c'était à Udong dans le bureau de district. Est-ce que je comprends bien ce qui s'est passé? Et pour que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde, est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que la première fois sur le champ de bataille, c'était lorsque les troupes Khmer Rouge affrontaient les troupes de Lon Nol? Est-ce que vous confirmez ce point? ខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់បានទេគាត់ណាគាត់និយាយព័ត៌មានហ្នឹងវានៅក្នុងសមរភូមិមែនហើយក៏បែកគ្នាទៅទឹកដីខាងលំនៅទៅគាត់ធៀបខ្ញុំបានតិចទេ
Je réessaye une dernière fois. Tout à l'heure, lorsque nous avons parlé du champ de bataille, vous avez indiqué que les troupes Mer Rouge affrontaient les troupes de Lon Nol. Est-ce que oui ou non, vous vous souvenez avoir dit ça tout à l'heure? Et est-ce que vous confirmez? Excusez-moi, monsieur le témoin, je suis désolé de vous interrompre, mais ma question n'était pas de savoir ce qui était advenu du journaliste par la suite. Ma question est précise. Est-ce que vous vous souvenez que tout à l'heure, à l'audience, vous avez indiqué que le moment où vous avez vu le journaliste, c'était sur le champ de bataille, lorsque les troupes Khmer Rouge affrontaient les troupes de Lon Nol? Est-ce que vous vous en souvenez? Et est-ce que je comprends bien que vous confirmez ce point? Je voudrais m'intéresser maintenant au deuxième entretien que vous avez eu, c'est-à-dire celui au district de Udong, au bureau du district de Udong. Donc je ne m'intéresse qu'à cet entretien-là, le deuxième. Est-ce que c'est clair pour que je puisse continuer mes questions? Répondant à une question de M. le coprocureur au sujet de cet entretien, vous avez indiqué que vous avez parlé en khmer et que vous avez bénéficié des services d'un interprète. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez également indiqué qu'il est possible, vous n'en étiez pas sûr, mais qu'il était possible que ce jour-là, Ban Kirnan, la personne qui vous a interviewé, et pris des notes. Ma question est la suivante. Est-ce que l'interprète vous a relu ces notes à quelque moment que ce soit? Excusez-moi, monsieur le témoin. Ma question était précise.
Je ne vous demande pas de me répéter qui était présent. Je vous demande si l'interprète, à un moment ou à un autre, vous a relu les notes qu'aurait prises M. Ben Kiernan ce jour-là. Est-ce que vous avez relu les notes? Et je vous demande simplement de répondre à cette question. Merci. Tout ce qui était sur les notes vous a été relu par l'interprète? Ou est-ce que il vous a... Non, je pose ma question différemment. Est-ce que l'interprète avait les notes sous les yeux et relisait mot à mot ce qui était écrit sur le papier? Et un dernier point sur ces notes, est-ce que, avant de venir à cette audience, vous avez eu l'opportunité de relire les notes en khmer sur lesquelles vous avez été interrogé ces deux derniers jours? Est-ce que vous avez relu ces notes? Monsieur le témoin, est-ce que vous avez compris ma question? Alors oui, vous avez compris ma question, je vais peut-être la répéter pour que ce soit bien clair. Ma question était de savoir si, avant de venir à l'audience, vous aviez relu les notes en khmer sur lesquelles vous avez été interrogé ces deux derniers jours. Est-ce que vous les avez relues avant de venir témoigner? Et du coup, une dernière précision, quand est-ce que ces notes en khmer vous ont été remises, si vous vous en souvenez? Est-ce que c'était avant de venir au tribunal ou est-ce que c'était le jour où vous êtes arrivé au tribunal? Ah,
ខ្ញុំចេះអានមើលតាមឯកសារនោះទៅខ្ញុំថាដូចច្រើនពេកអានទៅវាទាក់ទងនៅក្នុងឯកសារនោះវាវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ច្រើនពេករកចាប់តាមមិនស្គាល់ហើយផ្លេចច្រើនពេកទៅ Et est-ce que ce document vous a été remis en même temps que la photo? Et les notes en khmer que vous avez eues, elles vous ont été remises par qui, si vous vous en souvenez? Et est-ce que vous pouvez juste préciser si c'était il y a une semaine, un mois, est-ce que c'était cette année ou est-ce que c'était avant? Bien. Nous aurons certainement une requête à faire plus tard, mais je continue sur mes questions. Monsieur Noumau, répondant à une question de mon confrère de l'équipe de Nunchea, hier, vous avez indiqué avoir occupé un poste au comité de village, puis au comité de la commune. Est-ce que, en dehors de ces deux fonctions-là, vous avez occupé d'autres fonctions? Et là, je parle bien sûr de la période du Kampuchea démocratique. Là encore, monsieur le témoin, je vous demande de faire très attention aux questions que je vous pose. Ma question est de savoir si, en dehors du comité de village et en dehors du comité de la commune, vous avez occupé d'autres fonctions. นៅក្នុងភូមិហ្នឹងនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមិនទាន់ចូលនៅក្នុងជួរអាគណៈភូមិនៅឡើយទេគឺចាត់តាំង
Monsieur le Président, je pense que j'aurai besoin de trois quarts d'heure. Si les choses étaient plus simples, j'aurais besoin de moins de temps, mais comme je dois souvent poser plusieurs questions d'affilée pour avoir une réponse à ma première question, je prends en compte cet élément. បាទឥឡូវនេះគឺថាដោយពេលវេលាដែលមេធាវីត្រូវការសួរសាក់សីរួមនេះក៏មានរយៈពេលវែងដែរហើយស្ថានភាពសុខភាពរបស់សាក់សីមើលទៅគឺมันអាចផ្ចង់អារម្មណ៍ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ដែលសួរឡើងដោយមេធាវីបានទេដើម្បីឲ្យទទួលលទ្ធភាពឲ្យមេធាវីលោកសាក់សីរួមនេះជប់តម្រាបានច្រើន បន្តិចដើម្បីមានឱកាសឬក៏មានកម្លាំងនឹងចង់អារម្មណ៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរចុងក្រោយរបស់មេធាវីកាលពីក្តីលោកខៀវសំផនអង្គជំរះសម្រេចសម្រាកនៅប្រឹកនេះត្រឹមនេះហើយសំណាកាបើកលើកទៅបន្តធ្វើនៅរសៀលនេះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 1:30 ទៅដល់ 5:30ហើយដែលថាបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកមើលទៅមានបញ្ហាសុខភាពហើយការផ្ចង់អារម្មណ៍ក្នុងការស្ដាប់នៅសំណួរដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអង្គរដ្ឋមិនអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សហគមន៍របស់លោកឲ្យបានអស់លទ្ធភាពនៅព្រឹកនេះទេហើយសកម្មភាពលើកបន្តទៅធ្វើនៅពេលរសៀលទៀតហើយដូច្នេះអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោក ដល់តែខែកម្មនៅពេលរសៀលទៀតហើយនៅរសៀលនេះទៅនៅចប់នៅវគ្គ1នៃសកម្មភាពនៅរសៀលនេះហើយហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅទូរងចាំសម្រាប់តាក់ទីឬនិងអ្នកជំនាញឬក៏កន្លែងណាមួយសំត្របដល់តាក់ទីរូបនេះសម្រាប់នៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នេះហើយឲ្យយើងគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីផងមកកាន់កន្លែងប្រតិកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីហើយ មន្ត្រីអនុរិយ៍ទីខំខាំងនាំខ្លួននៅលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់សម្រាប់នៅខាងក្រោមសាធារណការនេះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសាធារណការនេះវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះ